Se fixer un objectif, c'est déjà l'atteindre. Regardez Daruma avec Biogaron. Un jour, j'ai pris conscience que ce qui m'intéressait, c'était de transformer les ingrédients pour le bien des autres. Parce que pour être heureux et pour bien manger, il faut avoir de bonnes choses. Et à l'adolescence, j'ai dit à mes parents, c'est pas jardinier que je veux être, c'est cuisinier. C'est ce mode d'expression qui m'intéressait. C'était pas de cultiver, c'était de changer les choses. Parce qu'il y a une phrase qui m'habite, c'est que pour rien ne change, il faut que tout change. Mon mode d'expression, c'est la cuisine. Et ces terrains d'expression sont vastes parce qu'ils permettent de faire plaisir aux autres, de satisfaire des envies, de vivre dans son époque. Parce que la cuisine, c'est aussi le miroir d'une époque. Quand on veut manger plus sainement, je crée des recettes sans gras. Quand on veut manger moins de viande, je crée des recettes zéro viande, zéro poisson. J'ai des lieux avec des fortes identités. J'adore la préservation de la culture française, de notre patrimoine culinaire. C'est pour ça que je m'attelle quotidiennement à réfléchir et à cuisiner pour rendre les gens heureux. C'était Daruma avec Biogaron.